Bonjour, moi c'est Ninon, je suis diplômée de Centrale Lyon. J'ai rejoint STEP il y a 3 ans pour mon stage de fin d'études où je suis actuellement consultante confirmée. Au quotidien, les missions sont très variées, mais elles ont pour dénominateur commun une forte composante analytique. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment d'avoir cette double approche, de décrypter en profondeur des process complexes au fin fond d'un fichier Excel, et ensuite de se servir de ces résultats pour proposer des approches à fort impact au comité exécutif de grands groupes industriels. Ça force un exercice de prise de recul et de remise en question de la démarche permanent, et je trouve ça vraiment stimulant. Question évolution, quand je suis arrivée chez STEP, j'ai appris qu'exposer un raisonnement, c'est tout un art. Il ne suffit pas d'avoir un résultat d'analyse solide et démontré, ça, c'est un prérequis. Mais après, il faut se poser la question de quel est le réel message que je veux exposer et à quelle personne. À force de se poser toutes ces questions en permanence, j'ai pu gagner à la fois en structuration du discours et en assurance. Ma plus belle réussite, c'est il y a quelques semaines, quand le projet qu'on mène pour le groupe Renault a remporté le prix du projet de l'année au Digital Finance Award 2023 face à d'autres grandes boîtes du CAC 40. Pour fêter ça, toute l'équipe a même été invitée à un événement interne en présence du CFO. Donc une belle marque de reconnaissance de la part de notre client. La valeur qui me tient le plus à cœur, c'est le partage et la mutualisation des expertises. La capacité de chacun à prendre de son temps pour faire avancer le sujet des uns et des autres. On n'est jamais déçu quand on demande son avis à un collègue ici. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cette sensation de collaboration permanente avec des associés qui travaillent près de nous et sont capables de rentrer dans un détail de manière très opérationnelle. Et cette proximité fait très vite progresser. En résumé, STEP, c'est des projets stimulants, une formation accélérée et de l'entraide.